Conseillère, d'abord, bravo. Sous d'autres cieux, vous auriez été l'homme du match. Quelles sont un peu vos impressions globalement sur la partie d'aujourd'hui et la belle victoire au final? Bon, c'est un mal comme un souffle. Je dédie toute cette victoire pour tous les supporters de la GSK. C'est un calendrier de match, c'est toute l'équipe. Les efforts, mais si les efforts, c'est tout le monde qui est conscient de la situation du club parce qu'on a besoin de doubler les efforts pour sauver le club. On a pu enchaîner les victoires. On va oublier les résultats positifs et on va concentrer sur le prochain match, Inch'Allah. Bon, aujourd'hui, vous faites un peu la une tous les journaux, pratiquement, des réseaux sociaux, au point où on parle souvent de Boualia dans un club à l'étranger, puisqu'on a même avancé des clubs. Comment on vit cette situation, C'est pas une pression pour moi, c'est un encouragement. Je vais tout faire pour déjà donner le plus à ce que ça nous a. C'est la priorité. Et pourquoi pas sortir le... En Europe, Inch'Allah, parce que c'est le rêve de tous les joueurs algériens. Je crois qu'ils testent le khodma, ils testent la discipline. Donc, pour le moment, je suis concentré pour la saison de la GSK. C'est vrai, sur la toilette, tout le monde qui parle sur l'étranger, bon, allez, il va partir à Ardagui, c'est normal parce que le Rachid Adran. Mais qu'il est fatigué comme un point positif qui va m'encourager. Et Alhamdoulilah, ma soeur, la prestation est dans la réponse. Non, parce que déjà, c'est un montagne d'expérience. Il y a toujours les gars. Il y a un carton rouge déjà avant que nous fassions l'hôtel. On a bien préparé pour le coup. Quand même solide, on a bien défendu, on a réussi de marquer encore deux buts. Voilà, les quatre oubliés ont été concentrés ou pour référer là. C'est une question de confiance, parce que là, on a un peu moins de qualité là. Kinedam Zouel a besoin de 50% de qualité en offensive. Maintenant, on travaille beaucoup sur les situations offensives des entraînements. Je me souviens qu'à chaque séance, on fait minimum 45 minutes les buts de Cannes. Donc voilà, le résultat il est sur le terrain. C'est vrai, il y a qui compte l'espoir. Il y a un match qui a fait un match qui a le plus pour l'équipe. Il a eu ce courage pour donner la chance aux jeunes. Il a vu le match des espoirs de l'année directe, il m'a donné confiance. Parce que quand un joueur algérien qui est très sur confiance, il m'a dit que Alhamdoulilah, on a fait un peu de soirée sur le football algérien. Je suis allé à Rayo, je les entends au sérieux. Même qui est là, il est en contact parce que je suis allé à l'enseigné. Qui est là? Je la confiance parce que qui est déjà entendu, il est là. معي لازم تماركي نتكل عليك كيف ما تماركي ليش ما كاش منها الحمد لله بيان سور باسكو الفو با اتر ان غراف انا كي كنت مبليسي سي تو الموند اللي وقف معايا سوا سي تو الموند في قطر كنت في قطر نتلاقى لي سي بو لي فامي تريكو تاع جاسك يقولوا لي كاش ما خصك انا ديجا بالهضره باك تحس روحك الاز الحمد لله عاونوني بزاف في لابيريود هذيك باسكو سي ان بيريود ديفيسيل de faire ligament croisé à 21 ans, c'est un truc de fou. Alhamdoulilah, j'ai gardé le moral ta'ib, ma'amna ta'hum. Voilà, maintenant c'est à mon tour de donner de mon mieux pour l'équipe. Sincèrement, on s'en fout les autres parce que les équipes, tu vas perdre la concentration de l'équipe. Donc nous on fait tout pour gagner les matchs, surtout à domicile. Et les autres équipes, on s'en fout, l'essentiel, on va essayer de ramener le maximum de points pour assurer le maintien le plus vite possible. Les autres équipes, on s'en fout. Pour aller toujours de l'avant.
Normalement, à tous les hommes qu'il y a, voilà, tu vas me donner la réponse directe parce que c'est vrai, les gens algériens, la plupart, ils ont un match, deux matchs excellents, puis ils pensent à autre chose, ils commencent à se gonfler, mais alhamdoulilah, ils ont un grand cœur. J'oublie pas les souffrances, mais là, déjà avant l'Algérie, j'ai fait beaucoup de sacrifices, j'ai beaucoup souffert pour améliorer mes qualités. Donc, je prends pas ça. Donc, prends pas la tête haute, mais t'inquiète. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس الجمال للكل. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.